Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être comment faire une balle de jonglage. C'est parti. Pour ça, il vous faudra du film plastique, une paire de ciseaux, du riz et deux ballons, donc trois c'est mieux, mais moi j'en prends deux et je les ai déjà coupés, donc voilà. Donc pour commencer, on va venir mettre notre riz sur le film plastique. Voilà. Et on va venir le couper. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un peu de riz. Donc, moi, je ne vais pas tout mettre. Après, vous prenez par rapport à la proportion de votre main. Donc, voilà. Et vous mettez ça au milieu donc, du film plastique. Voilà. Et vous refermez comme si c'était un petit sachet. Donc, voilà. Vous venez enlever l'air. Et vous tournez. Donc après l'air, ça va nous gêner quand on va mettre les ballons dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de simple en plus qui est quand même pas mal. Donc voilà, moi je vais venir couper ça pour pas que ça gêne. Hop là, pour pas que ça fasse trop gros. Et on va venir mettre donc un ballon dessus. Donc je vais un petit peu le recouper. Donc vous coupez. Au niveau que vous voulez, mais par là c'est mieux. Enfin, plus c'est petit, mieux ça sert, donc c'est plus pratique. Là c'est un petit peu gros, parce qu'il était un peu détendu. Et vous mettez le ballon dessus et vous tendez bien. Comme ça. Voilà. Et vous mettez l'autre de l'autre côté. Donc sur le trou qui est là, pour reboucher. Après, vous pouvez faire des décors comme par exemple. Vous pouvez couper pour que ça soit plus joli et faire que ça fasse des ronds de couleur. Vous mettez une autre couleur en dessous et vous coupiez de l'autre côté pour que ça puisse faire des petits motifs avec de la couleur. Ce serait plus joli, mais bon, pas très grave. Donc voilà, et vous tendez bien le plastique. Donc là, s'il y a un petit peu d'air, c'est pas très grave. Au mieux, c'est vraiment que vous l'ayez bien en main. Moi, j'ai bien en main, elle est pas trop grosse, ça va. Donc voilà, et donc votre balle de jonglage est déjà prête. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, mettez des pouces bleus. Bye! Abonne-toi!